Pendant que je priais avec un couple quelque part, la femme elle a dit, papa, l'autre jour quand tu priais là, elle dit, tout d'un coup j'ai senti ma tête commencer à trembler et tout mon corps tremblait. Et elle dit, elle a demandé à son mari, chérie, est-ce que je suis possédé? Am I possessed? Tu peux tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec une présence démoniaque. Le Seigneur met diverses grâces dans ta vie. Il met divers dons dans ta vie. Il règle divers problèmes dans ta vie. Il ôte divers maladies de ton corps. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Tu vois, je vais te dire, tu as le même problème que beaucoup ont. You have the same problem as many quand, people, si j'impose les mains à quelqu'un, if I lay hands on somebody, et la personne a, comme la dame a témoigné ici, elle a le cancer du côlon, et on lui dit, non, on ne peut plus rien pour toi. They can no longer do anything for you. Et elle est aux urgences, et tu imposes les mains, tu lui dis, tu es libre. Elle sentait les douleurs. She was feeling pain. Elle dit, elle arrive à la maison, les choses ont commencé à sortir de partout. Elle revient témoigner, on ne trouve plus aucune trace de rien, rien. No trace of. Mais regarde, je l'ai touchée. Et le Seigneur me dit, elle est libre. Ok, tu es libre. Il n'y avait pas de cinéma. Je n'ai pas dansé devant elle. J'impose les mains, je crie, je baisse l'huile, je danse. Est-ce que Jésus faisait ça? Donc, où est ta foi? Ce qui augmente aujourd'hui, ce n'est pas la foi, c'est l'incrédulité. Donc maintenant, les gens pensent que c'est quand je viens, je dis, ah, tu t'appelles Alain, ta mère s'appelle Victorine, ton père s'appelait Godefroy. Je déclare, ah, là j'ai prophétisé. Non, 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 non. Je viens te dire ce que j'ai vu. Amen. Et je te dis au nom de Jésus-Christ. La faveur financière vient dans tes mains. Lève tes deux mains, adore le Seigneur, dis-lui merci pour ce grand culte de victoire. La maman nous a dit tout à l'heure, la victoire est certaine lorsque tu n'abandonnes jamais. Je vois quelqu'un ici qui ne va jamais l'abandonner au nom de Jésus-Christ. Jamais, jamais, jamais. Elle a des dossiers d'opération. On doit faire une opération là-bas. Je te dis, maman, Jésus vient de te libérer au nom. Ce que je viens de dire, ça te concerne. Avance, avance. Vérifie ton corps si tu es guéri. Avance si tu es guéri. N'avance pas pour la prière. J'ai déjà prié. Avance si tu es guéri. Ce pied droit, ce pied gauche, pardon, est libre. Il y a une chose étrange qui se passe dans la vie de quelqu'un ici. Une présence bouge autour de ta tête. Comme si quelque chose rampe. Et tu essayes d'enlever depuis des années. Quelque chose marche littéralement à l'extérieur. Une présence bouge autour de ta tête. Une présence, un mauvais démon. Cet ange de la folie vient de te quitter au nom de Jésus-Christ. Amen. Témoignage. La sœur Michaël, elle dit qu'elle avait ce problème à la tête. C'est quelque chose qui marchait depuis plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Oui, papa. Autour de sa tête. Autour de à sa l'extérieur. Tête. Outside. Pas dedans. C'était quoi? Tu étais allé à l'hôpital? Non, mais ça me faisait souvent mal à la tête et j'avais l'impression. Des fois, je fais des choses que je ne comprends pas. Comme si tu vas perdre la tête. Comme si je vais perdre la tête. L'esprit de folie là. Ta manière de dire amen, je sais que tu ne comprends même pas de quoi il est. Dis un amen dangereux comme le panel est ça, dit amen. Oui, témoignage. Qui souffrait d'un AVC plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Oui, papa, il n'arrivait pas à bien se déplacer. Son côté gauche avait un problème. Côté gauche. Oui, papa. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Maintenant là je sens un peu de soulagement. Tu sens un peu de soulagement. Papa, pour un peu. Regarde comment tu fais. Témoignage. Maman Émilie. Oui, elle dit qu'elle souffre d'un mal au pied, à la cuisse gauche depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an. Oui, papa. Tu as vu une seule parole. Tu es un homme de témoignage. Ce que le Seigneur dit à une personne, il dit à tout le monde. Amen. Et
Est-ce que je peux te dire ce que je viens de recevoir? Amen. Quiconque a son argent bloqué n'importe où s'est libéré maintenant. Amen. Amen. Venu paralysé de n'importe quel côté de ton corps, je te déclare libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Il y a un bien-aimé dans cette salle, tu as du mal à respirer là maintenant. You hardly breathe now. Maintenant, quelque chose chauffe dans something ta gorge là. Is hot in your throat. Oui, il y a une douleur étrange et ça chauffe. Si tu as du mal, il te faut faire des efforts pour respirer. Des efforts, des efforts. La main du Seigneur vient sur toi. Maintenant, et tu es libre. Quand j'ai tenu ma veste comme ça, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme. Wow, il a le nom de Papa Maurice. Il s'appelle Esomba. Il a une douleur étrange ici qui l'empêche aussi de respirer. Quelque part ici, en dessous des poumons, ici, une très vive douleur. Tu viens d'être libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Si ton amen résonne comme le tonnerre, ta vie change. Oui. La soeur Marceline. Mal de gorge depuis 3 mois. Mal de gorge depuis 3 mois. Elle n'arrivait pas bien respirer, à avaler. Elle toussait le sang. Toussait du sang. Du sang, oui papa. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, oui. Elle aussi a senti quelque chose quitter de son de sa gorge. De sa gorge. Oui, ce qu'elle ne parvenait pas à faire, elle le fait aisément. C'est elle. Quelque chose comme s'il y avait une douleur étrange à l'intérieur de ta gorge et ça chauffait. Hein? Tu es libre. Mets ta main droite là sur ta gorge. Mets ta main droite. Surveille-la. La même main de Jésus que j'ai vue, ça revient sur elle maintenant. Tu es totalement libre au nom de Jésus-Christ. L'ange qui nous a visités descend encore une fois. Que l'ange qui nous a libérés descend pas de ton père. Tu comprends? C'est ça qui te retient. Il faut pardonner ton père. Tu sais pourquoi je dis ça? Tout à fait, papa. Tu dis? Tout à fait, papa. Tu comprends pourquoi? Cette nuit, j'ai vu une tante essayer de te nourrir dans un rêve. Tout à fait, papa. Cette nuit-ci. Tu as parlé ton rêve là à quelqu'un? Non, papa. Hein? Non, papa. Tu as pris le pain qu'elle t'a donné là? Non. Hein? Non. Ok, tu es encore vivant alors? Quand je te regarde, maman. Quand je te regarde. Hein? Quand je te regarde, je suis en banda. Amen. Hein? Hein? Oui, papa. Tu as quoi voir avec banda? C'est la banda que j'habite. Amen. Je me retrouve en banga, n'est-ce pas? Et quand je suis en banga, je t'ai posé une question. C'est parce que tu n'as pas répondu que je vais parler comme ça. Quand je me retrouve en banga, je vois une jeune fille. Je vois une jeune dame. Ngombeng. J'ai vu une couturière Ngombeng. Elle lui a donné son pain. Elle a donné son pain à cette couturière Ngombeng. Ça c'est en banda. Tu as donné le pain à une couturière. Oui papa. C'est elle qui cousu souvent tes habits. Oui papa. Elle s'appelle Ngombeng. Je te vois sortir avec toutes tes victoires. Reçois tes victoires au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu me visionnes au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Martinique, aux Seychelles, au Brésil, aux États-Unis, en Tunisie, dans n'importe quel pays. Reçois tes victoires. Reçois tes victoires. Reçois tes victoires. Reçois tes victoires. Ta manière de dire amen, tu n'es pas sérieux. Si tu reçois tes victoires, dis un amen dangereux comme le tonnerre. Quand tes deux mains disent après mon nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit? Quelqu'un dit c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas. C'est pas. C'est pas.
Jésus t'a libéré. Hein? À tout Dieu au centre de ma foi. À l'intérieur, à l'extérieur de la salle. La faveur financière vient dans tes mains. Attendez, Jésus-Christ. Vous avez une pension à payer ou les locataires quelque chose? Quand je priais, n'est-ce pas? Vous êtes venu, vous m'avez dit que ça c'est une vision que je vous raconte. Vous êtes venu, vous m'avez dit que ça devrait être 610. Mais ces gens veulent augmenter ça. Donc j'ai pas compris, c'est ça que vous m'avez dit. Que ça devrait être 610. Moi je comprenais comme si vous voulez me dire 610 000. Ou 600, mais c'était l'argent. It was money. Et vous me disiez que ça devrait être 610. Et ces gens veulent changer ça. Ou quelque chose comme ça. Vous comprenez? Like non, je vous raconte la vision que j'ai eue. C'est à vous maintenant de prendre ça et de comprendre. Si vous comprenez, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer maintenant. Papa, vous avez des locataires. You have non. Tenants. Non. Vous voulez construire quelque chose. You want to build something. Construire quoi? Je veux construire un immeuble sur mon terrain à Biémassé. Sur ton terrain? Ouais. À Biémassé? Ouais. A building on my. Vous avez le défi, vous avez quelque chose? You have the project. Non. Ben enfin, vous savez que si vous construisez ça, vous allez mettre quoi en location? En location. Il y aura les locataires. They will be on rent. They will be tenants. Papa? Papa? Oui. Réjouissez-vous. Rejoice. Amen. Dansez et célébrez. Amen. Be merry. Ce sera de très haut standing. Je ne fais que du haut standing. Très haut. Je ne sais pas faire du moyen standing. Donc ça veut dire que un locataire pourra payer des centaines de mille. Tout à fait. Plus de 600 000. Tout à fait. Hein? Non, ben enfin, c'est des appartements de haut standing. Papa, vous allez meubler ça. Papa, amen. Et les gens vont prendre ça le mois à 750 000. Amen. Amen. Vous avez suivi ce que j'ai dit. Amen. Ce que j'ai dit, vous avez suivi. Amen. Vous êtes sûr que vous avez suivi? Je vous suis toujours très attentivement. Merci, papa. Tends tes deux mains. Stretch your two hands. Arrête ça comme ça. Hold it like this. Père, au nom de Jésus-Christ. La sœur Ganso. La sœur Ganso. Oui, papa. Tu t'appelles comment? Ganso. On se connaît? Oui, non, on s'est déjà vu quelque part. Tu m'as écrit. Tu as mon numéro. Tu connais où j'habite. Tu connais ma maman. Tu connais mon père spirituel. Tu connais papa Makandiwa. Tu as ton argent bloqué. Tu t'appelles Ganso. Viens un peu. Quand je me suis approché de toi, je t'ai vu à l'étage et tu regardais en bas. Viens un peu. Viens, je vais te dire quelque chose maintenant. J'ai vu quelque chose. Je vois ta face ce matin, je prophétise. Oh, ta manière de dire amen, tu cherches mes problèmes. Maintenant, il faut tendre le micro, il faut qu'on soit d'accord. We have to agree. Tu veux que toute la famille soit libérée. On va aller un à un. Wow, tu as vu le venir avec toute la famille. Amen. Lève tes deux mains, dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Pendant que j'adore ce qui n'a pas été achevé depuis plus de 20 ans. Que ce soit achevé cette année au nom de Jésus-Christ. J'appelle dans cette famille les ressources et la faveur. Les connexions et les personnes. Et je commande tout ce qui est resté suspendu dans les airs. Que ça se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Et portez, je vous sépare de l'esprit de non-accomplissement. La famille qui est représentée dit un amen comme le tonnerre, le non-accomplissement. Et je te dis au nom de Jésus-Christ, tu lèves tes deux mains, l'onction de faveur financière vient dans tes mains. Les mêmes mains que l'argent fuyait, ça va commencer à recevoir l'abondance. Yes. 90% des problèmes sont liés aux finances. Finances. Yes. Yes. Oui. Yes.